Salut à tous les amis, c'est Stox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de pack, ça fait pas mal de temps. Bien ou quoi? Comme Carrie, c'est tout, t'as vu. Ça va, moi en tout cas, ça va tranquille. On est avec la nouvelle présentation de pack avec les shaders et je bug sa maman la chienne, je sais pas pourquoi, normalement je suis censé avoir un bon PC lol. Bref, donc on est avec le pack Glory 1K, donc PvP Win. Qui est un bon petit pack, j'ai un peu regardé, etc. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les armures qui... les mêmes que le Fightful, hein. Hop. C'est... Ah, peut-être un petit peu changé ici. Ça va, c'est tranquille, c'est... Tranquille, ouais. Alors avant tout, je vais vous montrer l'interface. Game Mode 0, voilà. Avec Basic, Steak, et puis Cœur, etc. Donc voilà, ça c'est Basic, au calme. Après voilà ici pour l'inventaire transparent. On va passer, enfin je vais vous montrer l'enclume, voilà l'enclume basique et la table d'enchantement qui, enfin l'enclume, table d'enchantement, les chests, etc. C'est tout transparent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui donc je voulais dire, je vais peut-être sûrement changer la map un de ces quatre, la mettre en 1.8, ça peut être pas mal. Enfin bref, y a encore des petites choses à faire, on va voir ça quand le moment sera venu. Donc voilà, après pour les armures c'est toutes les mêmes, enfin c'est les mêmes choses, les mêmes que le Fightful. Donc pour la flèche c'est celle-ci, donc voilà, je vais vous montrer, hop hop, voilà, merci. Ouais, assez bien fait, j'aime bien. L'arc en noir c'est cool. Bon, quand on tire basique, bah rouge, alors après je sais pas c'est quoi, rouge, jaune, vert, voilà, et quand on tire ça fait des étoiles bleues, c'est magnifique. Ah putain, elles sont belles les fleurs là. Ouais, c'est bien, c'est cool, c'est basique quoi, c'est cool. Canne à pêche, ouais, on avait déjà ça dans un pack avec le bout un peu rouge comme ça, c'est cool. Hop, ensuite, boussole et montre, donc voilà, basique, celle du Fightful, ça change pas. Alors les épées, très intéressant, c'est de bonnes épées que j'aime beaucoup pour PvP. Alors là, l'épée en or, l'épée en bois, l'épée en fer, l'épée en pierre, l'épée en fer et l'épée en diams que j'aime beaucoup. Bah c'est vrai que ça change un peu toutes les épées, mais bon. Hop, comme ça. Voilà, nickel. Ensuite on va passer aux pioches. Moi personnellement, ces pioches je les trouve super belles. C'est une des meilleures pioches que j'aime. Au niveau PvP ou pour même pas pour PvP, pour comment ça s'appelle, pour miner ou quoi, c'est vraiment de bonnes pioches. Donc voici pour les pioches en or, en bois, en pierre, en fer et en diams. Donc voilà à peu près les pioches. Je me rapproche, je vais juste vite fait, voilà. Je vous la montre comme ça, voilà. Moi j'aime beaucoup, elles sont dans pas mal de packs. J'aime beaucoup. Ensuite, les haches qui vont avec. Cool. Hop, je vais se prendre. Ah, voilà. Hache en or, en bois, pierre, fer et diamant. Voilà. Merde. Fuck my life. Voilà. Bon, super. Donc voilà pour les haches, super belle aussi. Ouais, donc toutes les, enfin tous les équipements vont avec, c'est ce que je veux dire. C'est toujours la même chose quoi. Voilà pour voilà, or, bois, pierre, fer et diamant pour les pelles et pour les houes. Ouais, ok, super, si la première marche pas, ça va pas être bon. Bon, bref. Là où en or, je l'ai vu, voilà. Donc, bois, pierre, fer, or et diamant pour les houes. On va passer ensuite aux nourritures, à la nourriture, donc, c'est cool. Donc, le steak, c'est basique, poulet, pain... Et porc. Et là, j'ai une grosse surprise. Je viens juste de le voir là. C'est la pomme la pomme de Apple. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Là, il y a une petite animation ici. Là, c'est cool. Mais j'aurais voulu plus d'animation dans la pomme. Du coup, il n'y a pas trop d'animation. C'est dommage. Enfin, c'est vraiment dommage. C'est un peu con. Voilà. Donc, maintenant, on va passer. Merde. Soupe. Voilà. Underpearl.
beaucoup vu. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu n'importe quoi à l'intérieur. On dirait, vous savez, les rosaces qu'on faisait là quand on était petit. Là, c'est ça, je vous jure, ça me fait trop penser à ça. Et donc, ouais, c'est basique, c'est assez vu. Donc, le champignon, le champignon rouge, la soupe et le bol vide. Ensuite, donc pour les sauts, là je vais vous le montrer sans les shaders. Parce que. Hop, c'est comme ça vous voyez mieux. Donc, déjà ça pour les flammes qui sont aussi basiques. Hop, le 0. On voit pas sur tout l'écran, c'est plutôt bon. Ah, donc je vais m'en mettre en 1. Voilà, super. Donc, voilà pour le saut normal. Le saut d'eau. Ouais, j'ai peur qu'il y avait. Voilà. Le saut de lave. Ça me fait penser à l'ancienne lave. Vous savez, tout au début, j'aime beaucoup. Et le saut de lait. Qui est pas mal aussi. Hop. Va prendre ça. Les minerais, donc diamant, fer, or, émeraude et briques. Cool. Maintenant, pour les potions. Donc ça, c'est pareil pour tous les packs. Des spirales, ça change pas. Bon, celle-là, c'est un peu différente. Et pour les plages, les plages, voilà, c'est super cool. Après, comme je dis, et je le répète, ça change au niveau des potions. C'est des régènes, ça va être rose, etc. Maintenant, je vais vous montrer les sharpness. Les sharpness que ça fait. Donc, hop. Merci. Donc, les sharpness, c'est comme l'arc, ça tire les mêmes flèches, voilà. Enfin, les mêmes, c'est les mêmes choses. Ah, quoique. Ah ouais, c'est la même chose. Et quand on saute, les coups critiques, c'est vert et bleu. C'est cool. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer au bloc, comme d'hab. Et que je reprends, voilà, super. Donc là, pour la stone, la cobblestone, le bois, les bûches, le sable, le gravier que j'aime beaucoup, la nether brick, l'obsidienne, la absolum que j'aime beaucoup, ainsi que la glowstone, les laines de couleur bleue. Donc là, on a les blocs et les minerais. Donc là, on a émeraude, on a lapis redstone, diamant, or, fer et charbon. Et ici on a nether quartz, la netherrack, le mycélium avec les champignons, la TNT, l'ender chest, basique, les chests, la table de craft que j'aime bien avec les petits matériaux. Et les fours. Ah ouais, ça j'avais pas vu, ça c'est nouveau ça? Ah ouais, ça c'est cool ça, regardez. C'est 0,5, c'est ce que peut cuire, je crois, à peu près. Je sais pas, mais je me suis pas assez renseigné pour ça, mais c'est une indication, je crois que c'est vrai en plus, au niveau de ce qu'il y a à cuire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien sûr, le pack sera en téléchargement dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'était Skitox et on se retrouve pour la prochaine fois pour un nuage serein ou autre. Voilà. Ciao. Ciao.